J'ai ajouté le Cartoon Cat Dweller dans mon monde Skyblock. Et vous n'êtes absolument pas prêts pour les dingueries qui vont se produire dans cet épisode. Car je n'ai pas ajouté que le Cartoon Cat. Il y a effectivement d'autres Dwellers qui vont essayer de me pourchasser tout le long. Je vais devoir me sécuriser un maximum pour lutter contre les spawns des Dwellers. Alors préparez-vous car nous retournons dans le cauchemar. De retour sur cette survie incroyable, j'ai ajouté beaucoup de Dwellers. Je crois que j'aurais peut-être pas dû, les amis. Vraiment, il y a Cartoon Cat, il y a quelques Dwellers qui ont été rajoutés. Je crois que j'en ai rajouté 4 en tout. Ouais, ça fait déjà beaucoup. Et surtout qu'il y a le Knocker et les mobs que vous avez déjà vus dans le premier épisode. Alors clairement, je peux vous assurer qu'on va vraiment vriller sur cette vidéo. J'avais mangé mes baies dans la vidéo. D'ailleurs, personne n'a remarqué que j'avais mangé les baies. Personne m'a envoyé de commentaires sur ça, c'est quand même incroyable. En tout cas, les amis, content de vous retrouver pour la suite et franchement... Ah putain ! Oh my god. Là, ok. Non, là, non, non. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc de fou qu'on vient d'avoir là? Faut pas me faire des trucs comme ça. Ah! Mais arrête! Faut pas faire ça. Pourquoi j'ai eu une voix de vieux là d'un coup là? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut arrêter hein. Non bah... Après, je vais pas vous cacher que je ressens bien les mods que j'ai ajoutés. Je les ressens vraiment bien là pour le coup. Je suis pas déçu. Non mais là c'est invivable, c'est injouable là, vraiment. Je sais pas comment je vais faire. Il me faut un fer. Je sais pas où on va trouver un fer, mais il faut que j'en trouve un absolument. Donc, le problème c'est que j'ai pas de nourriture. Il y a des tarés qui essayent de me tuer. Il fait nuit. Ça passe. Now, ah you try to hide, but I am... Arrête! Arrête ça! Mais wesh! Yes, I'm gonna get you good. Mais arrête, frère! C'est quoi? C'est eux! C'est... Mais t'es complètement crazy! Oh, mais mec, mais... Mais il est complètement... Oh! Ah! Là, faut arrêter, là. Là, faut arrêter vraiment, là. Je crois que les mods ont été mis à jour, parce que depuis From the Fog, en tout cas la saison 1, les amis, les mods n'étaient pas comme ça. On va jamais avancer. Oh, je dois construire le mur des abonnés, je dois faire plein de trucs dans cette vidéo, mais j'y arriverai jamais. Je sais. Quoi? Oh non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Oh purée les amis, mais on est déjà jour 4. Oh, c'est pour ça qu'ils sont là eux. Non mais je sais pas si vous rendez compte, mais je vais jamais pouvoir jouer là. Bon, on n'est pas à l'abri d'un Dweller en pleine journée non plus. Donc, faisons très attention à ça. Oh, mais non, par contre, il y a Cartoon Cat. Oh non. Oh, je sais pas si j'aurais dû l'ajouter en vrai. Hein. J'aurais aimé de la terre en fait. J'aurais aimé de la terre comme ça là pour le mur des abonnés, mais le problème c'est que en fait les douleurs vont pouvoir spawn, donc je peux pas faire ça en fait. Oh là là, les arbres qui poussent. Bon après c'est pas plus mal, au moins ils peuvent pas, ils seront bloqués en fait dans les arbres, donc ça peut être un très bon point aussi, se réfugier dans la forêt s'il y a un problème. Ok. J'ai envie de construire, mais ça peut partir très vite, je vais vite quitter le jeu. Une apparition, je me casse. Oh là là, mais où est-ce que je vais faire cette salle? Oh, je vais continuer à miner. Je pense qu'en fait, je vais ragrandir la base et puis... Puis voilà, ça sera plus safe que de faire un pont. En fait, faire un pont, j'ai peur maintenant de faire des ponts. Je peux pas faire n'importe quoi, en fait. J'ai ajouté trop de douleurs, en fait, d'un coup, là. Je crois que j'aurais peut-être dû me stuff avant d'ajouter trop de douleurs comme ça. J'aimerais aller récupérer la petite pousse, là-bas. Je crois qu'on va y aller, les amis. On va prendre un petit peu de risque. Ah, je suis désolé s'il y aura un screamer et que... Et que je vais crier, je vous le dis clairement, je vais hurler s'il y a un truc. Hein. Pitié que le Cartoon Cat ne spawn pas, hein, vraiment. Ah là là, j'y étais pour rien. Il n'y a aucune baie. En fait, vous savez ce qui me terrifie le plus? C'est qu'il n'y a pas de son. Il n'y a aucun son. Pas de musique. Pas de son. Pas de bruit d'ambiance, rien. Et quand ça va péter, ça va péter. Ça va péter. Pop, pop, pop. Arrête de voir tes conneries, là. On va faire le mur des abonnés, les amis. En fait, j'ai pas le temps de construire des trucs beaux, là. J'ai pas le temps, je peux pas me permettre de faire ça. Ok, ça nous fait une petite place. Non mais tu déconnes qu'il va faire nuit là? Non mais c'est une blague. Mec, j'ai fait un aller-retour là-bas et tout et il fait déjà nuit. J'ai juré, j'entends même des bruits chez moi carrément. Ouais, ça va allumer les lumières, attendez les gars. Non, je suis bien sympa de faire Minecraft, horreur, etc. Mais je peux pas jouer sans, avec des lumières éteintes, hein. C'est pas possible. Je me protège comme je peux. Oh my god. Oh là là, mais il y a trop de squelettes. Oh non. Oh, ça pourrait faire tellement de poudre d'eau, ça. Vraiment, il faut vraiment que je pense... Non mais j'enlève le casque, en fait, là. Non, malade, frérot. Non mais ça m'a hurlé dans le casque. Je m'y attendais pas. Oh, j'ai cru que c'était Herobrine.
Les amis, je crois qu'il va faire jour. Ok, les squelettes sont en train de brûler, les amis. Ok, il y en a un qui est mort, il y en a deux qui sont morts. Ok, cool. Je crois qu'on a pas mal d'os, là. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu! Il y a Cartoon Cat! Il était dans les arbres! Ok. Ah! Ah! Putain! Putain! Mais c'est pas possible! Oh putain! Oh mon dieu! Ah, j'ai eu peur. Oh, la trouille de ma vie, mec. Faut que je mange. Là, c'est plus bon du tout. Ok, je régène. Les amis, je régène. On va mettre des dalles partout, comme ça, on n'a aucun problème. Normalement, ça devrait pas spawn sur les dalles. Ah, arrête. Arrête ça. Arrête ça, frère. Ok, ils peuvent pas spawn comme ça. Ils peuvent pas spawn ici. Ils peuvent encore spawn là. Ok. Encore s'ils sont bloqués dans les arbres, ça peut encore aller. Normalement, il n'y a plus de soucis à propos des spawns. À part sur les arbres, mais c'est pas bien grave encore. C'est pas bien grave. Ouais, je pense des piliers comme ça. On va faire un mur qui va à peu près jusque là. Il faudrait peut-être un mur de façon à ce qu'on voit les pancartes. Donc, on va faire cuire de la cobble. There's always parts being cut off. Entrails being yanked from stomachs. Ok, il a pu spawn. C'est quoi ça? Oh non, non, mais c'est injouable. C'est injouable, je vous jure, c'est injouable. Les amis, il y avait Robrine. Il va faire jour, les amis. Ça y est, on va pouvoir sortir. Bon, j'ai pas eu grand chose comme apparition à part le Cartoon Cat et le PNJ. Mais franchement, oh là là. Oh, c'est incroyable. Hein. Les amis, il fait jour. Let's go. Oh my god. Arrête ça. Ok, ça y est. Bon, allez, on y va. On se dégonfle pas. Enfin. Peut-être qu'on va se dégonfler finalement parce que j'ai plus envie de sortir. Ça y est. Je pense qu'on va se faire un toit en vrai. Oh, mais meilleure idée de se faire un toit. Mais trop bien, mais oui. Faut que je me fasse une gigantesque maison. Même nous, on peut pas sauter, vous voyez. C'est pas mal là. Je pense que c'est pas mal de faire ça, hein. Bon, là, je pense qu'on est en sécurité. En vrai, si on n'est pas en sécurité, c'est qu'il y a un gros problème. Hein. Je vais même essayer de jouer la nuit. Franchement, je vais essayer. J'ai remarqué, quand je suis AFK, c'est pareil, il y a moins de spawn. Donc, si je reste ici à casser de la cobble, il y a moyen que le jeu me capte comme AFK et que j'ai pratiquement pas de spawn, ou alors que j'en ai, mais que ça se passe juste là-bas, dans cette zone. La forêt me fait peur, mais en vrai, ça va, parce que du coup, il spawn dedans et j'ai pas de problème avec ça. Non, mais là, vraiment, ça va ressembler à rien, le skyblock, hein, je vous le dis. Hein. Ça va ressembler à rien du tout. Voilà. Bon, ça, c'est une safe place en cas où j'ai un souci. C'est pareil, j'ai mis des blocs ici en cas où. Je pense mettre aussi des blocs comme ça. Bon, bah, c'est parti pour miner toute la nuit. Bon, les amis, il fait jour. Ça y est, enfin. Et je suis toujours en train de miner de la cobble. Je crois que je suis à... Ouais, bientôt 4 stacks, hein. En tout cas, je suis en train de finaliser le 3e stack. J'ai un petit peu réfléchi au plan de la construction de la base. On va faire un toit assez bas tout le long avec des dalles hautes. Ok, les amis, j'ai beaucoup, beaucoup de dalles. Ok. On va le faire à partir de là, le toit. Seul souci, c'est que ça peut spawn sur les arbres et ça peut me tuer, en fait. On va essayer de faire ça tout le long, en espérant que ça spawn pas tout de suite sur l'arbre, là, parce que ça serait terrible. Clairement, je vous le dis, le mur des abonnés va être immonde. Il va falloir vraiment qu'on règle ça plus tard. Hein. Non, mais gars, si quelque chose peut rentrer dans ce secteur, c'est que vraiment, il y a un problème. C'est impossible. Je vous le dis clairement, c'est impossible. On a vraiment la meilleure strat, là. On a tout, normalement. Y a rien qui spawn ici. C'est impossible. En fait, faut vraiment que j'enlève cette forêt. Et que je la mette le plus loin possible. C'est juste un plafond en sécurité. On ne montera jamais là-haut. Voilà, normalement, on est safe ici. Y a plus de problème. Ok, mec. Bon, les amis, on devrait être plutôt pas mal ici. En tout cas, j'espère que ça va pas spawn ici, parce que ça serait vraiment la... Bah voilà, quoi. Vous le savez. Voici le mur des abonnés. Bon,
J'aurais aimé que ça soit un peu plus stylé, mais oui, il va falloir qu'on vive comme des rats, les amis. Comme des rats, il n'y a pas d'autre mot, on est obligé. Je suis en train de tout aménager pour qu'on soit le mieux possible, pour qu'on se safe le mieux possible. On va commencer à poser les panneaux. Alors les amis, je vais en mettre que 10 parce que vraiment, vous avez été nombreux, très très nombreux à mettre votre pseudo dans les commentaires. Les amis, j'ai mis 10 panneaux et on va mettre les premiers pseudos sur ce mur, ça va être incroyable. Alors, on va vraiment... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. C'est la moitié du mur, vraiment. C'est symétrique, c'est parfait. Les amis, j'ai fini de mettre les pseudos sur le mur des abonnés. Et il y a 10 abonnés qui est affiché sur le mur. Ok, vous êtes prêts? 3, 2... Ah! Ah! Non, non, mais arrêtez ça, en fait. Ok, 3, 2... Ah, ok, voilà la liste des abonnés, les amis. Il y a TZ28, Matos, Steve Gamer, DM Edit, Isaac, Ninox, Lucas N, Ninglas. Il y a. Mec, je peux prononcer les pseudos tranquilles ou pas là? Prixil et Dodo, évidemment. Mais voilà. Dans le prochain épisode, je mettrai les panneaux en couleur, ça sera bien mieux. Bon, les amis. Voilà, maintenant que vous êtes affichés sur le tableau, en tout cas les 10 premiers, ceux qui ne sont pas affichés, n'hésitez pas à remettre votre pseudo dans les commentaires, comme ça je l'afficherai dans les prochains épisodes, et j'en choisirai encore 10. Bon bah, en tout cas, bienvenue sur le mur des abonnés, les amis. Vous êtes dans la série, c'est incroyable quand même. Hein. Ok, bon, j'ai pas été attaqué cette nuit, je suis tranquille. Franchement, je suis très bien. Je suis très très bien depuis tout à l'heure. Là, il y a juste les arbres que j'aimerais casser. Le seul souci, c'est que... Ils sont trop gros, je sais pas si je vais réussir à tout casser. J'espère qu'il n'y aura pas Cartoon Cat qui va spawn dans l'arbre. Oh, quelle horreur. Non, parce que là, cette forêt, je n'en peux plus, les amis. Je n'en peux plus. Oh, oh. Non, c'est pas le jeu du chat et de la souris. Pas du tout. Bon, faut que je fasse gaffe, là. Hein. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a, il peut y avoir beaucoup plus d'apparitions que prévu, là, pour le coup. Parce que la forêt, elle commence à vraiment, voilà quoi. Il n'y a plus d'arbres. Je crois que je vais couper d'abord tous les troncs au-dessus, avant de couper les troncs en bas. Ah, il me faut vraiment un bouclier, ça serait génial. Un bouclier, ça serait excellent. Les amis, je l'entends marcher, je sais pas où il est. Ah! Ok, mon plafond marche plutôt bien. Ça va. Mon plafond marche bien, mais il faudra quand même qu'on voie ça. Hein. Ok, je vais aller continuer de casser les arbres, moi. J'ai cassé la forêt. J'ai cassé toute la forêt. Alors là, par contre, va falloir courir. Quoi? Bouge de là, frère. Bouge de là, frère. Comment il a pu spawn là, lui? Comment il a pu spawn là? Comment il a fait? Comment il a fait? Faut la trouver, mec. Là, faut que je trouve le truc, là. Comment il a pu spawn, là? Comment est-ce qu'il a fait? C'est pas normal, là. Les amis, j'ai peut-être une idée. On va mettre des portillons comme ça. C'est impossible qu'il spawn ici. C'est impossible, cette fois-ci. On va mettre des portillons, les amis, ici, là. Sur les côtés. Comme ça, je pourrais quand même passer. Ah, ils peuvent totalement spawn au-dessus, là. Ça, c'est dangereux. Faudrait que j'aille mettre des dalles. En fait, si toute la zone, on arrive à gérer pour qu'il n'y ait plus un seul spawn, on pourrait être vraiment bien. Parce qu'après, on n'aura même plus peur, en fait. On aurait la stratégie, on aurait la technique, et on ferait ça tout le long, en fait. C'est dangereux de fou, là. Ah! Ok. Ok, j'ai les deux dwellers les plus flippants. Bon, ça a l'air de s'être calmé. Il y a Herobrine là-bas, c'est pas possible. Il a la tête à l'envers. Oh mon dieu, c'est quoi ce délire là? Les gars, on a fait une base de fou malade! Je crois qu'il est là-haut le truc là. Oh. Ah oui, il est là. Ok, ça peut spawn au-dessus. Oh my god! Ok, on a le Knocker qui vient de spawn. Les amis, décidément, je n'ai pas eu le temps de faire la farm à mob. J'ai eu beaucoup trop de problèmes, les amis, d'apparition, de mobs. C'est pas possible. On a failli me tuer plusieurs fois, à plusieurs reprises. Les amis, les mobs veulent me tuer, les amis. Mais en tout cas, on a au moins construit le mur des abonnés. Voilà, c'est parfait. Et puis, j'ai quand même agrandi la base, mais bien comme il faut. On a plutôt géré les spawns, donc ça peut aller. En vrai, ça peut aller encore. Il y a juste là-haut qu'il va falloir que je règle, parce que le problème, c'est que, ouais, bah, ils peuvent encore spawn, en fait. Ils peuvent totalement spawn.
et ça, il va falloir régler le problème. Si vous avez aimé cet épisode, en tout cas, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner, les amis. Road to 4000 abonnés, les amis, on est sur la ligne droite des 5000 abonnés, c'est incroyable. En tout cas, merci d'avoir regardé, je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, salut!